confrère guitariste. Alors, aujourd'hui, on est parti pour s'apprendre Moonlight Shadow de Mike Oldfield. Le morceau est très simple. On a trois parties qu'on va nommer un A, une partie A, une partie B, une partie C. Niveau main droite, rythmique très simple. Donc, on va commencer par apprendre les accords. Un petit peu plus loin dans le morceau, la grille, c'est-à-dire les accords dans le bon ordre. Encore un petit peu plus loin, la rythmique et ce qui se passe au niveau de ta main droite. On récapitule l'ensemble et vous aurez même un petit bonus. C'est parti pour les accords. Première chose, j'ai viré le capot d'astre. Le temps d'apprendre le tuto, on va se le faire comme ça. Si tu n'as pas de capot, tu peux quand même le faire. On commence sans capot. Une fois qu'on a vu l'ensemble, c'est bien de venir mettre le capot en case 4 et tout recommencer pour avoir la tonalité originale. Donc, c'est parti. On a un La mineur. Donc, La mineur, corde de La à vide. Ensuite, corde de Ré majeur en case 2. Corde de Sol annulaire en case 2. Index. Corde de Si, case 1, et corde de Mi à vide. Prenez le temps d'arpéger votre accord pour vérifier que toutes les notes sonnent juste, et on vient strummer derrière. On a après un Fa. Alors, plusieurs possibilités. Au plus simple, on peut faire ça. Un Fa qui en réalité sera un Fa majeur 7, très facile à jouer, donc si tu as du mal avec les barrets, ça marche à tous les coups. Ça sonne un petit peu moins bien, mais ça marche. Un Fa simplifié qui sera comme ça. On commence sur la corde de Ré avec l'annulaire en case 3, ce sera notre fondamentale. Ensuite, corde de Sol majeur, case 2, corde de Si index, case 1, et corde de Mi à vide. Voici le Fa le plus simple possible. La possibilité numéro 2, c'est le Fa classique en barré. Alors, je ne vais pas m'étendre dessus, mais voilà, hein, index qui barre la première case. Et donc, on a donc, fondamental index en case 1 sur la corde de Mi. Annulaire, case 3, corde de La. Corde de Ré, petit doigt, case 3. On essaye de bien serrer l'annulaire et le petit doigt pour avoir plus de force. Corde de Sol majeur en case 2. Corde de Si, bah c'est l'index en fait, hein, c'est le barré, c'est ça, c'est l'index qui appuie à plat. Et corde de Mi, c'est toujours le barré, c'est-à-dire toujours l'index appuyé avec le bas de mon index ici, case 1. Et je vous montre une troisième possibilité pour le Fa. Enfin, je te montre, c'est vrai qu'on se connaît maintenant, on peut se tutoyer. Bref, le Fa. Comme ça, avec le pouce, qui sera lui aussi en réalité un Fa majeur 7, son nom, et qui a une sonorité un petit peu plus sympa. Moi, c'est celui que j'utilise pour ce morceau. Très proche, mais j'aime bien, je trouve qu'il a un côté plus ouvert, plus intéressant au niveau du son. Donc, je viens mettre le pouce en case 1. Donc, aller chercher derrière, on monte, tac, on vient poser le pouce en case 1. Ensuite, corde de La, je viens mettre l'annulaire en case 3. Corde de Ré, je viens mettre le petit doigt en case 3. Donc pareil, j'essaye de bien serrer l'annulaire et le petit doigt ensemble. Je me mets bien en pont aussi. En pont, c'est-à-dire avec les doigts bien comme ça pour pas effleurer les cordes. D'accord. Ensuite, majeur en case 2 sur la corde de Sol. Index en case 1 sur la corde de Si. Et corde de Mi à vide. Donc, les trois Fa marchent, tu prendras celui soit au plus simple, si tu débutes, soit celui que tu préfères si tu es d'un niveau plus avancé. On aura un Sol. Alors pareil, Sol, on a plusieurs doigtés possibles. Je vous conseille dans ce morceau d'utiliser le Sol à trois doigts avec annulaire, majeur, petit doigt et l'index qui ne sert pas. Je t'explique pas pourquoi, mais prenons celui-là.
Donc, annulaire, casse 3. Sur la corde de Mi, c'est donc la fondamentale, Sol. Ensuite, corde de La majeur en casse 2. Corde de Ré à vide. Corde de Sol à vide. Corde de Si à vide. Et petit doigt, casse 3 sur la corde de Mi aigu. On arpège. On strum. Si, en fait, je t'explique pourquoi. C'est parce que ça s'enchaîne bien derrière avec Do. Puisqu'on a aussi un Do. Donc, au niveau du doigté, quand on a Sol, pour aller sur Do, on est très proche. D'accord? Et donc, notre fameux Do, on joue pas la corde de Mi, on commence sur la corde de La en case 3 avec l'annulaire, corde de Ré majeur en case 2, corde de Sol à vide, corde de Si index case 1, et corde de Mi aigu à vide. C'est tout ce qu'on a au niveau des accords. Donc, il y a trois parties. Un A, une partie A, une partie B, une partie C. Commençons par la partie A. On a une mesure de La mineur, une mesure de Fa, une mesure de Sol, et dans la même mesure, Do, Sol. Donc, si je compte, j'ai l'équivalent d'une ronde sur La mineur, une ronde durant 4 temps. 1, 2, 3, 4. Une ronde sur le Fa. 1, 2, 3, 4. Une ronde sur Sol. 1, 2, 3, 4. Et là, j'ai deux accords dans la même mesure. Donc, une blanche sur le Do, donc deux temps. 1, 2, et une blanche sur Sol. 3, 4. J'enchaîne. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ça, c'est pour notre A. Eh bien, on va voir la rythmique au niveau main droite et je vous apprendrai la partie B, la partie C plus tard. Tu vas aimer la rythmique, c'est une rythmique feu de camp, la rythmique qui passe partout. Alors, je la montre doucement avec des cordes bloquées dans un premier temps. Bas, bas, haut, chute, haut, bas, haut. Alors, pour la rythmique, on se rappelle qu'il y a plusieurs façons de penser un rythme. Par le geste, en comptant, et par sa formule de solfège. Donc, par le geste, un coup vers le bas, deuxième temps, bas, haut, troisième temps, je vais dire un chute pour dire que je descends sur le temps et je remonte sur le côté temps, donc chute, haut, et quatrième temps, bas, haut. Donc, par le geste, bas, bas, haut, chute, haut, bas, haut. Si je viens compter, j'ai 1, parce que je joue le temps 1. Sur le temps 2, j'ai 2 et, parce que je joue le temps 2 et son contretemps. 2 et. Sur le temps 3, je vais dire chute, pour dire que je ne joue pas le temps 3, mais je vais quand même vers le bas, pour ne pas me mettre à l'envers. Donc sur le temps 3, je dis chute, je descends sans jouer, et je remonte sur le et, parce que je joue que le contretemps du 3. Chute et. Et temps 4, je joue le temps et son contretemps. Donc 4 et. 1, 2, et chute, et 4, et. C'est bien de connaître la formule de solfège. Une noire, donc qui prend tout le temps. Noire, après j'ai deux croches, deux coups par temps. Deux croches. Après j'ai un demi-soupir, c'est-à-dire le chute s'exprime par un demi-soupir. Chute, une croche. Chute, croche, et deux croches. Je précise comme ça, le demi-soupir peut aussi s'exprimer par une liaison. Bon, je ne m'étends pas, mais ça peut être noté comme ça. Bref. Donc, après, une fois que vous avez capté le geste, il faut essayer de le mettre en boucle. Alors, on peut essayer de le faire une fois un petit peu plus rapidement. Et on le recommence. Bas, bas, haut, chut, haut, bas, haut. Et après, une fois qu'on l'a bien, on le met en boucle. Bas, bas, haut, chut, haut, bas, haut, bas, bas, haut.
une deuxième figure. Cette rythmique qui s'appelle la rythmique feu de camp, ce sera notre figure A. On aura une deuxième figure que je vais vous apprendre un petit peu plus loin. On commence avec alors, notre grille, donc on avait dit La mineur, Fa, Sol, Do, Sol. C'est là que j'ai ma variante sur la fin. Donc sur le La mineur, j'ai ma feu de camp, Ba, Ba, Do, Do, Ba, Do. Pareil sur le Fa, Ba, Ba, Do, Do, Ba, Do. Pareil sur le Sol, Ba, Ba, Do. Et là, comme j'ai deux accords dans la même mesure, 1, 2 et 3 et 4 et... J'ai une petite variante rythmique. Je te l'explique tout de suite. Donc, ce qui se passe, c'est que je commence de la même façon avec Ba, Ba, O. Et là, j'ai pas de chute puisque le temps 3, c'est le moment où je change d'accord. Donc, je viens de marquer aussi. Finalement, c'est une variante de la feu de camp qui est presque encore plus facile. Je reprends. 1, 2 et 3 et 4 et par le geste. Ba, ba, o, ba, o, ba, o. J'essaie de mettre tout attaché. Ba, ba, o, ba, o, ba, o. Si je compte, j'ai 1, 2 et 3 et 4 et. Je marque un petit peu plus fort le temps 3 pour dire que c'est là que je change d'accord. Do, sol. Le solfège, ça me ferait noir, deux croches, deux croches, deux croches. Alors, on se réessaye ça. La mineur. Fa. Feu de camp, classique, sol, pareil. Et là, ba, ba, o, ba, o, ba, o. Et je relance la mineur. Fa. Sol. Voilà pour être parti A. Il y a deux tournes, un truc à noter, deux tournes. Donc deux tournes, ça veut dire qu'une tourne, c'est le moment où je reviens sur la mineur. J'ai la mineur, Fa, Sol, Do, Sol, et c'est parti pour une nouvelle tourne. D'accord ? Donc 2A, et on passe au B. Revenons sur la grille du B. Alors, pour le B, je vais avoir Do, Sol, dans la même mesure, La mineur, Fa et Sol, une mesure. Donc, pour la partie B, j'ai une ronde avec Do, donc 4 temps. 1, 2, 3, 4. Pareil pour Sol, 4 temps. 1, 2, 3, 4. Troisième mesure, j'ai La mineur et Fa dans la même mesure, donc je vais avoir 1, 2, avec la mineur, 3, 4 avec Fa. 1, 2, 3, 4. D'accord ? Blanche, blanche, si vous préférez. Et je reviens sur mon sol avec une ronde, 4 temps. 1, 2, 3, 4. Et on essaye, pareil, de travailler d'abord la grille du B pour bien la comprendre. Puis après, on rajoutera notre rythmique par-dessus. Donc, Do, 2, 3, 4, Sol, 1, 2, 3, 4, attention, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ainsi de suite. Tu l'as ? Ok, on peut rajouter la rythmique, super, ça va vite. Notre rythmique, donc exactement la même, feu de camp et la petite variante. Donc feu de camp sur Do, Ba, Ba, O, O, Ba, O, feu de camp sur Sol, Ba, Ba, O, O, Ba, O, La mineur Fa, donc on a Ba, Ba, O sur La mineur et Ba, O, Ba, O sur Fa. Et on reprend feu de camp sur Sol. Ba, Ba, O, O, Ba, O. Une fois qu'on a compris le geste, on essaye d'enchaîner l'ensemble. Et on a notre partie B. Pour la partie A, la partie B fait deux tournes. La tourne, c'est
dès que je reviens sur Do. J'ai une mesure Do, une mesure Sol, dans la même mesure La mineur Fa, dernière mesure Sol, ce qui me fait 4 mesures, et je reprends sur Do. Donc, ma deuxième tourne. 2A, 2B. Le morceau marche comme ça. On a la petite intro du début que je vous ferai voir dans le bonus. Ça commence sur la partie A, partie B. On revient sur la partie A, on recommence sur la partie B, et après il y a même une partie C qui arrive. Je vous la montre, comme ça vous avez le morceau complet. Donc, au niveau de la grille, sur la partie C, j'ai Sol, Do, Sol, Sol, Do, Sol, Do, Sol. Et je recommence ça, pareil, deux tournes, comme le reste précédemment. Alors, c'est un petit peu spécial rythmiquement, puisque j'ai trois accords dans la même mesure. En fait, je fais 1, 2, 3, 4. D'accord ? Donc là, je fais une noire, une blanche. 1, 2, 3, 4. Ça, c'est ma première mesure. Sol, Do, Sol. Je reprends ça une deuxième fois. Sol, Do, Sol. Et après, j'ai un Do complet. 1, 2, 3, 4. Et un Sol complet. 1, 2, 3, 4. Et je recommence. Sol, Do, Sol. Sol, Do, Sol. Do, 2, 3, 4, Sol. Et en ce qui concerne la rythmique, alors je vous le joue, j'explique que c'est après. Donc, rythmiquement, il se passe un petit quelque chose. Je vais avoir un mouvement qui va faire bas au bas, très rapide. Bas au bas, bas au bas. Si on n'y arrive pas, on peut garder le truc tout simple en faisant juste des noirs comme j'ai fait voir dans la grille. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et 1. Et on reprend la feu de camp sur Do. Sol. Et arrivé à ce passage, on prend tout simplement ça. Noir, noir, blanche. Noir, noir, blanche. Et feu de camp sur Do. Feu de camp sur Sol. Et sinon, on essaye le. C'est très rapide, c'est un mouvement, on fait bas au bas sur Sol. Bas au bas. Bas au bas. Tchakata. Ça doit être nerveux. Tchakatam. Tchakatam. Bas au bas. Bas au bas. Bas au bas. Et très vite, on passe à Do et on revient sur Sol. Et on refait ça une deuxième fois. Ba, 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 ba. Et on récupère Do, feu de camp, Sol, feu de camp. Et je recommence. Alors, ce qui n'est pas évident, c'est de finir la feu de camp sur le Sol. Ba, ba, o, o, ba, 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 ba. Ça crée une sorte de malaise au niveau de main droite. Donc, c'est un feeling à choper. Je finis ma feu de camp sur Sol. Ba, ba, o, o, ba. Et en fait, je repars sur un bas au bas. Donc faut capter le truc, je dirais que ça va venir tout seul. Il faut l'entendre, en fait c'est ça. Si on n'y arrive pas, l'idéal c'est d'écouter la musique et d'essayer d'entendre le truc. Si on arrive à se le chanter, je t'ai donné le geste, maintenant à toi de te débrouiller, peut-être essayer plus doucement, mais voilà, pour essayer de le caler à l'intérieur. Ba au ba ba ba, ba au ba ba ba, feu de camp, ba ba au ba, feu de camp, ba ba au, et on relance notre ba 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 ba, d'accord ? Sol, Do, Sol, Sol, Do, Sol, feu de camp, ba ba au ba, feu de camp, ba ba au ba, ba au ba. Et voilà pour notre partie C. Donc là, on a l'ensemble. On a notre partie A, on a notre partie B, on a notre partie C. C'est parti pour un petit récap. Donc, on a la petite intro du début avec le... J'ai
j'essaie de la montrer vite fait, bien fait à la fin. En tout cas, c'est pas évident à faire. Donc, pour les débutants, ce sera peut-être un petit peu chaud, mais on peut quand même, au cas où, en fait, ce qui se passe, hein, c'est la partie B qui tourne une fois. Et ça démarre sur la partie A. Donc, éventuellement, si on est débutant, on peut commencer avec une tourne de partie B pour démarrer le morceau en intro. Donc, Do, Sol, La mineur, Fa, Sol. Et notre morceau démarre sur le A. Carry the line by the moonlight shadow. Vous avez vu comme je connais bien les paroles, c'est super. Bref, et j'ai ça deux tours donc. Carry the line by the moonlight shadow. D'accord ? C'était mon A, je passe au B. Donc on a A, A, enfin petite intro, ensuite A, A, B, B, A, A, B, B, C, C. Et après tout le reste du morceau tourne comme ça, enfin bref, après, hein, faut aller l'écouter et faut se le faire. Allez, le bonus. Finalement, ce truc-là, c'est en réalité, c'est joué par une seconde guitare, hein, une guitare électrique. Donc, c'est une petite adaptation pour guitare folk. Je vais te parler en termes de notes. Si tu les connais pas, faudra les apprendre, hein, parce que pour moi, c'est la meilleure méthode pour comprendre son instrument. Raisonner en termes de cases, doigt 1, case 2, case 3, case 2, case 1, là, on n'y arrive pas. En termes de notes, c'est beaucoup plus précis. D'ailleurs, au passage, je vais faire des tutos là-dessus pour à venir, pour apprendre bien son manche, bien ses notes, ça va arriver. On y va avec, alors première phrase. Sol, Do, Ré, Mi, Ré, Do, La. Sol, A vide, Do, case 1, Do, Ré, case 3, Ré, Mi, A vide, Mi, Ré, Do, La, case 3, corde de Sol. La phrase suivante, Sol, La, Si, Ré. Donc là, j'ai ma première phrase. Sol, Do, Ré, Mi, Ré, Do, La. Phrase suivante, Ré, pardon, Sol, La, Si, Ré. Donc Sol à vide, La case 2, Si à vide, Ré. Essayez d'enchaîner les deux doucement. Sol, Do, Ré, Mi, Ré, Do, La, Sol, La, Si, Ré. Après, j'ai un petit truc qui s'accélère, qui fait Sol, La, Si, Do, qui n'est pas évident à placer. On pourrait presque ne pas le mettre, le Sol, La, Si, Do, et aller directement Do. Do, Si, La, La, La. Mais bon, on va essayer quand même. Je fais un petit hammer pour gagner de la vitesse. Sol, La, Sol, La. Donc un hammer, c'est le majeur là, qui vient percuter la corde. Sol, La, Si, Do, Do, et phrase, alors, Sol, La, Si, Do, Do, Si, Si, La, Si, Do, Ré, Sol. Donc doucement, Sol, La, hammer, Sol, La, Si, et la phrase qui arrive juste après, Do doublé, Do, Do, Si doublé, Si, donc Do, Do, Si, Si, et après,
après la, si, do, ré, tout à la suite. Donc la case 2, corde sol, la, si à vide, si, do, case 1, ré, case 3, et un petit coup de sol à vide pour finir. J'ai donc sol, la, si, do, do, si, si, la, si, do, ré, sol. Donc on prend le temps de faire ça tranquillou, doucement. On capte un peu où sont les notes. Après on oublie hein, quand on joue. Je suis pas en train de me dire ouais, celle-là, machin et tout. C'est juste le temps de les retrouver, ça vaut le coup de les apprendre. Une fois qu'on les a, bah, on le fait en par cœur et on pense à la musique plus qu'aux notes. Autre chose, si on peut, on vient muter aussi un petit peu avec la main droite. Donc on pose sa paume à plat contre les cordes pour avoir ce son un petit peu de... On entend un petit peu ce son-là, d'accord ? Donc, sol, do, ré, mi, ré, do, la, sol, la, si, ré. Sol, la, si, do, do, si, si, la, si, do, ré, sol. Et c'est parti sur les accords. La mineur. De suite, d'accord. Bah pour finir, voilà, hein, juste le truc, pensez bien, enfin pense bien, c'est vrai qu'on se tutoie maintenant, j'ai du mal avec ça, hein, désolé, je suis timide. 1, 2, 3, 4, case 4, on vient mettre le capot et on vient reproduire tout ce qu'on a appris jusque là. Alors au passage, comme ça, le capot c'est un truc de chanteur, hein, si on sent que c'est trop aigu au niveau à chanter après, pourquoi pas le faire sans capot ou bouger le capot, hein, c'est libre à toi. Cher ami, bref, et ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Allez, à plus, ciao.